Amen. Père, nous te remercions pour notre formation de ce soir. Merci pour tes serviteurs fidèles. Merci pour les gagneurs d'âme. Merci pour tout ce que tu fais au travers de nous. Nous prions que l'œuvre prospère dans nos mains au nom de Jésus-Christ. Nous prions que tu réveilles tout le monde ce soir. Et nous prions que l'esprit qui triomphe soit accordé à tout le monde ce soir au nom de Jésus-Christ. Ôte le découragement. Ôte les pieds épuisés de nous. Et nous prions que le zèle pour te servir nous soit accordé. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Que quelqu'un me donne un bon amen. Et voyons, 1er roi au chapitre 19. 1er roi au chapitre 19, je lis verset 1. Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. En verset 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Ce soir, nous allons examiner la vie d'Élie. Nous allons examiner nos vies. Nous voyons la vie du serviteur de Dieu, les saints de Dieu, les membres de la famille de Dieu, les ministres de l'Évangile. Comme nous examinons Élie, bien sûr, vous avez entendu parler d'Élie. Élie était décrit comme un homme de la même nature que nous, un homme qui a la même souffrance que nous. Il était prophète qui a servi le Seigneur, qui a œuvré pour le Seigneur de façon fidèle. Il était comme Enoch. Il était juste et saint. Il était finalement enlevé au ciel, sans passer par les portails de la maladie et de la mort. Le portail de la maladie et de la mort. Comme on voit Élie, et lui a fait des œuvres spectaculaires. Élie était exemplaire. Il était la personne qui savait qu'il était sauvé pour servir. Il a vécu et il s'est déplacé. Et il a travaillé pour le Seigneur, selon la parole du Seigneur. Il agit toujours sur le fondement de la parole de Dieu. Il était entouré par des corrupteurs et des compromettants. Néanmoins, il était courageux pour le Seigneur et s'est engagé à Dieu et à sa parole en parlant à Dieu. Voici ce qu'il a dit dans le chapitre précédent, qui est le chapitre 18, au verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit : Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, écoutez bien ceci, et que j'ai fait quoi ? Toutes ces choses par ta parole. Voyez la vie d'Élie. Et dit, tout ce que je dis, tout ce que je fais, tout ce que je prophétise, partout où je visite, tel que j'ai vécu, tout ce que j'ai fait, je fais tout selon la parole du Seigneur. Il a réparé l'autel du Seigneur. Il a fait descendre le feu du ciel. Il a tourné le cœur des gens vers le Seigneur. Il a éliminé les faux prophètes du pays, les faux prophètes de Baal, et dit, je ne fais pas cela pour une raison personnelle. Je vois la parole de Dieu. Je vois ce que le Seigneur a ordonné. Et j'ai fait toutes choses par ta parole. Mais aujourd'hui, nous allons voir une occasion dans sa vie. Oui, Dieu merci, c'est seulement un événement dans sa vie. Ce n'est pas quelque chose de longue durée. Ce n'est pas quelque chose de très constant. Ce n'est pas quelque chose de perpétuel. Mais ce n'est pas quelque chose de récurrent. Et qui arrive chaque année, mais c'est seulement de quelque chose d'éphémère. Dans cette occasion, il s'était découragé, il s'était épuisé.
Mais Dieu merci, le Seigneur est rapidement intervenu pour le fortifier. Comme le Seigneur va vous fortifier ce soir, et le Seigneur lui a donné une commission nouvelle. Comme à nouveau, comme il le fera cette nuit pour vous. Et le Seigneur l'a enhardi et pour un enlèvement glorieux. Comme on voit ce chapitre, on voit le découragement, l'épuisement, ce qu'il a commencé à dire au Seigneur dans sa prière. En voyant 1 Rois 19, verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant quoi? C'est assez. Maintenant, Éternel. Il ne savait pas que Dieu le préparait pour quelque chose de glorieux. Parfois, nous sommes aveugles au futur et nous sommes aveugles à ce que le Seigneur nous prépare pour nous. Il prépare quelque chose de grand pour vous. Dieu prépare quelque chose d'extraordinaire pour vous. Mais si vous n'êtes pas prudent, autant de découragement dans la vie, autant d'épuisement, et dit que oui, je n'ai pas de futur, je ne veux pas passer à quelque chose. Tout ce qui fait l'objet de ma méditation maintenant, c'est de mourir. Dieu merci. Dieu n'exauce pas vos prières négatives. Toutes les choses négatives que vous avez dites sur vous-même, autant de découragement, d'épuisement, le Seigneur a tout éliminé. Parce que sa volonté pour vous va prendre la priorité, la prééminence. Et sa parole pour votre vie s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Et il demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme. Car je ne suis pas meilleur que mes pères. Y a-t-il quelqu'un de ses frères, de ses pères qui est ramené du feu du ciel? Oui, il est meilleur que ses pères. Et y a-t-il un de ses pères qui a détourné le cœur des gens vers Dieu? Mais Élie a fait cela. Il est meilleur que ses pères. Mais autant de découragement, Élie a dit ce qui n'est pas vrai. Et nous disons des choses mauvaises, autant de découragement. Mais Dieu merci, il est un Dieu miséricordieux, un Dieu de compassion. Il sait que ce n'est pas toi qui parles, c'est le découragement qui parle. Ce n'est pas toi qui parles, c'est un cœur épuisé qui parle. Et Dieu va révoquer toute chose négative au nom de Jésus-Christ. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qui est arrivé. Un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Vous n'allez pas encore mourir. Lève-toi et mange. Ce n'est pas le temps de plier les bagages. Je dis que je ne peux rien faire encore. Vous allez faire plus que ce que vous auriez fait dans votre vie. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Un ange est venu le servir. Voyez quoi l'histoire en 17. Et les corbeaux venaient le servir. Mais au-delà des corbeaux, au-delà des corbeaux qui venaient maintenant, un ange est venu. Et il mangea et bu, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois. L'ange va continuer à venir jusqu'à ce que vous vous réveillez. Le réveil va continuer à venir jusqu'à ce que vous vous réveillez. La puissance du Seigneur, l'énergie d'en haut, sera déversée sur vous jusqu'à ce que vous vous leviez et que vous fassiez ce que le Seigneur a pouvoir faire et vous le ferez au nom de Jésus-Christ. Personne ne prendra votre place. Personne ne prendra votre couronne. Tout ce qui est ordonné que vous allez faire, quoi que vous soyez découragé, quoi que vous soyez épuisé, vous dites que vous ne pourrez pas, vous le pouvez. Vous le ferez. Et vous devez le faire au nom de Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il mangea 40 jours, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée. La parole du Seigneur vous sera encore adressée. Dieu ne vous mettra pas de côté. Dieu ne vous abandonnera pas. Et vous êtes découragé. Dieu ne dira pas que allez-y. Non, il y a quelque chose pour vous. Il ne peut pas vous abandonner comme ça. Vous n'allez pas aller par votre chemin. Vous allez aller par le chemin du Seigneur.
Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie, prophète mon serviteur? Que fais-tu ici? Toi qui as éliminé les 400 prophètes de Baal et d'Astarté, qu'est-ce que tu fais ici? Toi, tout seul, tu as incité toute la nation et tu l'as amené au Seigneur. Que fais-tu ici, prophète de feu? Et le prophète fervent spirituel, précaté de la parole de Dieu, celui qui a ramené toute la nation à Dieu, que fais-tu ici, Élie? Oui, parfois, comme vous retournez à la maison et les gens évangélisent, d'autres gagnent des âmes, d'autres distribuent des traités et tu penses à quelque chose de négatif. Voici ma famille, voici mes enfants, voici ma femme, voici mon mari, voici mon boulot, voici ceci et cela. Et la chose à laquelle vous pensez, vous ne savez pas que Dieu a un plan meilleur que vous n'aurez même pas pensé. Laissez cela, laissez les enfants entre les mains de Dieu. Vous verrez le plan de Dieu s'accomplir bientôt. Le mari, la femme, là, laissez-les entre les mains de Dieu. Vous allez voir le plan de Dieu pour eux, vos affaires, que ceci et ce travail-là. Laissez cela entre les mains de Dieu. Bientôt, vous allez voir quelque chose au-delà de votre prière. Le Seigneur vous surprendra par un miracle. Donc, il pensait aux choses négatives. C'est pourquoi il est resté dans le coin. Me voici, le Seigneur dit, Élie. Il n'y a personne comme toi dans la nation. Élie, il n'y a personne qui est le futur que j'ai pour toi, à part de Enoch qui est allé au ciel des années passées. Alors, il est toujours là et j'ai le même plan pour toi. Tu es une personne spéciale devant le Seigneur. Et te voici et tu es comme un orphelin. Et c'est comme tu n'as pas de personne. C'est comme tu es désespéré, il n'y a personne. Et le Seigneur te dit, que fais-tu ici? Et il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, je suis la seule personne qui soit restée, et je suis la seule personne sanctifiée, je suis resté moi seul, je suis la seule personne qui croit à la saine doctrine. Je suis resté moi seul. Je suis la seule personne qui combat pour la foi qui a été donnée au sein, qui est transmise au sein une fois pour toutes. Et les pasteurs de groupe, moi je ne connais personne. Et les pasteurs d'État, pasteurs de région, pasteurs nationaux, je ne connais personne. Je suis la seule personne. Parfois, si vous êtes découragé, vous voyez, vous êtes dans l'étroitesse d'esprit. Vous croyez que vous êtes la seule personne. Mais voyez, vous êtes comme moi. Nous sommes ensemble. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous aussi. Nous allons courir ensemble au nom de Jésus. Êtes-vous la seule personne? Je dis, êtes-vous la seule personne? Ici, il dit ici que j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants ont abandonné. Et je suis resté moi seul. Et il cherche à m'ôter la vie. Élie, corrige ta vie. Voyez, Élie, c'est Jézabel. Parfois, nous élevons, nous exagérons notre colline comme si c'était une grande montagne, que le monde entier est après moi. C'est seulement un seul persécuteur, c'est seulement quelqu'un qui ne pense pas bien. C'est Jézabel qui ne connaît pas la valeur de ce grand homme de Dieu. Toute la nation est venue au Seigneur et dit gloire à Dieu, que l'Éternel Dieu, l'Éternel Dieu. Mais vous savez, lorsqu'on est découragé, c'est comme tout le monde est contre moi. Non, tout le monde n'est pas contre vous. Dans l'église de 100 personnes, peut-être une, deux, trois personnes, que quelque chose est venu sur eux et ils essaient de combattre une bataille déjà gagnée. Tu dis toute l'église, non, nous t'aimons. Il dit, nous t'aimons, nous t'acceptons, nous t'apprécions et nous prions pour toi. Que cette œuvre de Dieu prospérera dans votre main au nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous, vous pourrez avoir une Jézabel dans le coin là-bas qui est contre vous. Mais nous sommes plus que 100 000 dans le pays qui prie pour vous. Nous prions pour vous. Vous n'allez pas échouer. Vous n'allez pas succomber. Vous n'allez pas vous soumettre au diable au nom de Jésus-Christ. Et verset 11, l'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel par ça. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre.
Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ? Que fais-tu ici, Élie ? » Je veux que vous examinez votre famille, voyez votre position dans votre famille. Je veux que vous voyez votre famille, voyez comment Dieu vous a sélectionné de votre famille. Voyez votre famille, voyez la famille étendue, collatérale, voyez l'onction que Dieu a mise sur vous, comment Dieu vous a accepté et le ministère spécial que Dieu a pour vous, que personne d'autre dans votre famille étendue n'a pas, votre famille collatérale n'a pas. Dieu vous a sélectionné, Dieu vous a choisi, Dieu vous a donné quelque chose de spécial et quelque chose d'extraordinaire, même que les autres disent que, oui, comment notre frère est arrivé à ce niveau, comment notre soeur est arrivée à ce niveau, comment, oui, comme blague maintenant, elle fait quelque chose dont nous sommes jaloux. C'est le cas d'Élie ici. Élie a un appel spécial, il a une onction spéciale, il a l'autorité spéciale, il a une puissance spéciale et il a une communication spéciale avec le ciel. Mais voyons, Élie ici, Élie que le ciel connaît, il ne se connaît pas. Élie que le Dieu Tout-Puissant connaissait, lui-même ne se connaissait pas. Voyez, si vous ne vous connaissez pas, vous serez découragé, vous serez totalement déprimé, vous serez dans le désespoir. C'est comme la dépression est venue, c'est comme qu'est-ce que je fais ici? Et comme, est que je suis sauvé, est que je suis enfant de Dieu, et si je suis enfant de Dieu, pourquoi ceci m'arrive, pourquoi cela m'arrive? Est-ce que je suis dans une bonne relation avec le Seigneur? Est-ce que le Seigneur m'a accepté? Si je suis accepté par le Seigneur, pourquoi cette femme? Déjà, tout le monde apprécie ce que j'ai fait, tout le monde apprécie le réveil que j'ai amené, ce qui tient le... Maintenant, Jézabel m'envoie le message que demain, à telle heure, que je... qu'elle va me traiter. Et soudain, l'homme a oublié sa position. Je prie que vous n'oubliez pas votre position. Que vous n'oubliez. L'homme a oublié son autorité. L'homme qui a prié le feu était descendu des cieux. Il a oublié tout cela. Vous n'allez pas oublier ce que Dieu vous a utilisé à faire. Ce que Dieu vous a utilisé à faire, à mener dans l'église, dans le ministère. Et maintenant, on dit, voilà le verset 14. Lorsqu'il a dit, que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Il répète cela. Vous savez, parfois, pour certains, dès qu'on est découragé, alors une seule phrase, ouais, ce qu'ils ont dit au commencement de la prière, c'est la même chose qu'ils vont commencer à répéter dans la prière les autres jours suivants. Si Dieu ne vous a pas frappé pour ôter la parole de votre bouche, vous allez commencer à dire ce qui n'est pas vrai. Je prie que votre prière change cette nuit. La prière de découragement, la prière de dépression, la prière d'épuisement, la prière de dire que je suis la seule personne, il n'y a personne qui m'aime, il n'y a personne ne veut voir l'eau prospérer. Je fais ceci, je fais cela. Où sont les autres? Où sont les gagneurs d'âmes? Où sont les évangélistes? On dit qu'il y a le réveil. Moi, je ne peux pas voir le réveil dans notre... Comment tu veux voir le... Moi, je peux voir le réveil dans votre domaine. Je peux voir le réveil. Je prie que Dieu ouvre vos yeux ce soir au nom de Jésus-Christ. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Comme deux. Il dit, ils cherchent comme deux personnes. Seulement une seule personne et lire. Change ton langage. Il ne faut pas exagérer. Il y a un problème dans le pays. Oui, et on a tué tous les chrétiens. Ce n'est pas vrai. On ne peut rien faire ici. Et quelqu'un sort là-bas et qui prêche le matin, on tue tout le monde. Tout le monde a fui. Et il y a personne qui veut de l'église là-bas. Ce n'est pas vrai. Tu sais que tu exagères. Ouais, Élie ici, ça c'est une exagération. Il dit que il cherche à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit. L'Éternel va vous parler ce soir. L'Éternel lui dit, va. Reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Il lui a donné une grande autorité.
une grande autorité viendra sur votre vie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Japhat, d'Abel Merola, pour prophète à ta place. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. 18. Mais je laisserai en Israël combien? 7000 hommes. Élie n'a pas vu ces 7000 personnes prêtes à servir le Seigneur. Les gens qui ne sont pas allés après Baal, Élie ne les a pas vus. Parfois, quand on est découragé, on ne voit pas les croyants dans l'assemblée. Tout le monde est rétrograde, tout le monde compromet. On ne croit plus, que personne ne croit pas à la sanctification, que je suis la seule personne. Ce n'est pas vrai, mon frère. Tu parles selon ton découragement. Alors, il y a des gens qui sont fermes. Il y a des gens qui se tiennent pour le Seigneur. Il y a des gens qui ont la grâce de Dieu pour le Seigneur. Dieu merci, vous êtes l'un d'eux. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas ce soir? Est-ce que vous êtes toujours sauvé? Pourquoi on dit qu'il n'y a personne qui soit sauvé? Est-ce que vous êtes toujours sanctifié? Pourquoi on dit qu'il n'y a personne qui soit sanctifié? Est-ce que vous êtes toujours saint? Pourrais vous entendre? Est-ce que vous êtes toujours saint? Bien sûr que oui. Et Dieu dit que, le Seigneur dit ici que, mais je laisserai en Israël les 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Il est parti de là. Le feu est revenu. La puissance est revenue. Le zèle est revenu. L'engagement est revenu. La consécration est revenue. L'obéissance au Seigneur est revenue. Ce soir, je vous parle du thème « La force surnaturelle pour les membres et ministres épuisés. » La force, la puissance surnaturelle pour les membres et les ministres épuisés. Vous n'allez plus vous épuiser. La force surnaturelle pour les membres et les ministres épuisés. 1. La fidélité en tant que fondement des ministres. Lorsque Élie a commencé, venez voir la fondation qu'il a posée. Oui. Deuxième point, l'oubli des membres épuisés. Ouais. On s'épuise quand on oublie notre appel. On s'épuise lorsqu'on oublie notre appel et la grande montagne à laquelle Dieu nous a amenés. On oublie les privilèges divins. Alors, et puis on s'épuise. On oublie les grandes choses que le Seigneur a faites au travers de nous. Et on s'épuise. L'oubli des membres épuisés. 3 maintenant, la fructification d'un ministère focalisé. Vous allez porter plus de fruits, plus que jamais. Et Dieu va vous utiliser pour susciter le standard dans le pays au nom de Jésus-Christ. La fructification d'un ministère focalisé. Quel est le premier point là-bas? La fidélité en tant que fondement. Voyons Élie, lorsqu'il a commencé le ministère, et dans 1 Roi 17, verset 1, on a vu là-bas que c'est dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Acab, l'Éternel vivant et le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura des années si ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Cet homme avait la foi en Dieu. Il était fidèle à Dieu. Cet homme était très sûr de son appel. Cet homme est très sûr de sa connexion avec le ciel en tant que fondement. Oui. Lorsqu'il a commencé le ministère à sa fondation, lorsqu'il s'est montré dans son ministère public, il a dit à Élie que je me tiens devant Dieu, je viens de la présence de Dieu.
Et j'ai fait alliance avec le Seigneur. Oui, j'ai reçu la commission du Seigneur. Et je vais déclarer la parole de Dieu à toi. Et ma parole va affecter toute la nation. Il a dit, sinon à ma parole, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, ni sinon à ma parole. Verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il n'y a pas d'argument. Le Seigneur a dit que la famille viendra, il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de rosée. Sinon, ta parole va au torrent de Kérit et reste là-bas. Pensez à cela, il n'y a pas d'abri là-bas. Pensez à cela, il n'y a pas de maison là-bas. Pensez à cela, il n'y a pas de mur de sécurité. Mais restez là-bas. Les animaux sauvages sont là. Ils savaient que les animaux ne le toucheront pas. Ouais. Les animaux sauvages ne vous toucheront pas. Les mêmes mauvaises ne vous toucheront pas. Et puis, il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Quand vous êtes à la fondation, au fondement, quand vous avez tout d'abord donné la votre vie au Seigneur, ouais, vous faites tout selon la parole du Seigneur. Lorsque vous êtes devenu ministre du Seigneur, tout ce que vous avez reçu de Dieu, vous faites cela selon la parole de Dieu. Et quelqu'un qui est tout seul et ne regarde pas l'autre personne, est-ce qu'il pratique cela ou pas? Est-ce que l'autre personne obéit à la chose? Est-ce que ouais, toi seul, au lit, eh bien, il est allé tout seul comme on l'a appelé, comme Dieu l'a appelé. Il dit que moi je n'ai pas besoin d'encouragement. Tout ce que le Seigneur a dit, c'est ce que je ferai. C'était au commencement de votre vie. C'est ce que vous faites. Je prie que Dieu vous ramène au commencement au nom de Jésus-Christ. Lorsque vous n'êtes pas comme un parasite, vous ne vivez pas sur quelqu'un, vous ne voyez pas si quelqu'un obéit à cela, mais vous obéissez à la chose à vous-même. Verset 5. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Le Seigneur vous nourrira et vous satisfera. Quels que soient les besoins de votre vie, Dieu subviendra à vos besoins au nom de Jésus-Christ. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Oui, le torrent fut à sec. Il ne s'est pas plaint. Dieu, il n'est pas Dieu. Que ferai maintenant? Tu m'as mené ici. Qu'est-ce que je vais manger maintenant? Tout est sec maintenant. Alors, il attendait Dieu. C'est ce qu'on a fait au départ. Oui, on attendait, on espérait à Dieu. On espérait jusqu'à ce que Dieu parle. On n'est pas dérangé. On n'est pas gêné, on ne s'attristait pas, on ne dit pas, mais qu'est-ce qui va encore arriver? Lorsqu'on a cru au Seigneur, oui, on obéissait explicitement au Seigneur. C'était la fondation au départ. On nous avait fait l'œuvre missionnaire, il n'y avait pas de membres, on n'a pas du tout qui va nous soutenir, qui va nous donner de l'hébergement et qui va nous aider à évangéliser, mais on va là-bas et le de Dieu a prospéré dans nos mains. Lorsqu'on devait aller évangéliser dans le bus, dans le train, partout, en tant que les membres de fondation de cette église, nous nous tenons dans le bus et nous déclarons la part de Dieu sans crainte ni faveur. Ces jours reviendront encore. L'évangélisation matinale va revenir. La prédication dans les rues et dans les bus reviendra encore. Et on prêchait partout. Il n'y a pas de crainte. On ne se cachait pas le visage. Comme j'ai vu la personne là-bas, lorsque je les ai vus, alors j'ai peur. Alors je n'ai pas pu parler. Quand on voit quelqu'un là-bas, on se tient, on dit que voici l'évangile aujourd'hui. Et les personnes regardent. Et les gens, vous avez des traités. Et vous leur donnez des traités. Les gens ne pouvaient pas refuser les traités qui leur étaient donnés. Ces jours reviendront. Au niveau de fondation, comme Élie était, si on l'a fait, on n'est pas gêné de ce que les gens disent, de comment les gens font, que soit leur position. Nous savons que le Seigneur nous a envoyés et le Seigneur nous soutient. Et ce Dieu n'a pas changé. Si quelque chose a changé, c'est vous qui avez changé. Mais vous savez, vous allez revenir à là où vous êtes au nom de Jésus-Christ. Voici ceci. Verset
9. Lève-toi, va à Sarepta, verset 9. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon. Et demeure là. Voici, j'ai ordonné quoi? À une femme veuve. J'ai ordonné à une femme riche, à un homme riche, à une femme millionnaire, à une femme veuve de te nourrir. Comment allons-nous bâtir l'église? Il n'y a pas de milliardaires dans l'église. Il n'y a pas de millionnaires ici. Comment allons-nous bâtir l'église? Tous ces gens qui sont des gens pauvres qui sont ici, ouais, les veuves vont bâtir l'église. Les convertis vont bâtir l'église. Ceux qui viennent et se convertissent et que le Seigneur transforme leur vie et les ressources des païens vont couler vers l'église au nom de Jésus-Christ. Et Élie ne s'est pas gêné. Élie n'avait pas posé de questions, ne s'est pas gêné. Comment cela va arriver? Comment cela va arriver? Vous connaissez bien l'histoire. Et comme il est arrivé, il se leva et il a vu la femme et l'a reconnue. Vous allez reconnaître vos convertis et vos disciples. Quand vous parlez, ils vont vous écouter au nom de Jésus-Christ. Il a dit, pourrais-tu m'amener de l'eau là-bas? Lorsque la femme allait, lorsque vous allez revenir, lorsque tu reviendras, amène-moi un gâteau. La femme dit que moi je n'ai rien, je suis une veuve, je n'ai rien. Je suis en train de préparer le dernier repas afin qu'on y mange et puis on en mange et qu'on meure. Élie a dit que non, ne crains pas la farine qui est dans le pot là ne manquera pas et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas. Car ce que l'Éternel fera tomber de l'eau. Et c'était ainsi. Voici, vous n'avez pas de découragement, la parole dans votre bouche sera puissante et cela va s'accomplir. Si vous écoutez Dieu et que vous faites ce que Dieu vous dit de faire et que vous dites ce que Dieu vous dit de dire, les miracles vont se produire au nom de Jésus-Christ. Voyons chapitre 18, verset 21. Chapitre 18, verset 21. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, arrêtez ici. Ici, il est venu en tant qu'un homme de réveil, en tant qu'un homme, un évangéliste. Voici maintenant, vous voici ici. Élie n'avait pas d'équipe. Ouais, vous êtes élu comme Élie. On vous a voir à la communauté. Mais combien de compagnons à côté de moi? Élie n'avait pas d'équipe, mais il est envoyé au fondement, à la fondation. Revenons à la fondation. La parole de Dieu va changer le cœur des gens à travers votre vie au nom de Jésus-Christ. Verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Vous connaissez bien l'histoire. Et il leur a dit que vous avez des prophètes de Baal, qu'ils prennent ce qu'ils veulent prendre maintenant, et qu'ils tuent le bœuf, et qu'ils prient leur Dieu, et on voit le Dieu qui répond par le feu sera le Dieu. Les gens ont dit que ça c'est bon, c'est ça, tu l'as bien dit. Voilà le verset 31. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des filles de Jacob auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et on va au verset 36. Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie tout seul. Est-ce que vous savez que Dieu peut travailler au travers de vous? Même si vous n'avez pas d'équipe, Dieu, mais si vous avez des supporters, vous ne pouvez pas dire que je n'ai personne. Vous avez une équipe d'ouvriers avec vous. Si Élie seul pouvait le faire sans aucun soutien, l'Esprit de Dieu dans le cœur de chacun de nous nous fera faire des exploits pour le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache quand la puissance de Dieu se verra-t-elle dans votre vie? Quand est-ce que l'onction coulera-t-elle au travers de vous? Alors, quand est-ce que le courage viendra que vous fassiez l'œuvre de Dieu, que vous ne regardez plus derrière vous? Quand?
Et du camp. Ce sera ainsi au nom de Jésus-Christ. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Pourquoi nous plaignons que les gens sont froids, les gens sont tièdes, les gens sont mous, les gens traînent le pas? Faites descendre le feu. Prêchez et amenez le feu. Priez et amenez le feu. Intercédez et amenez le feu. Cessez de vous plaindre. La clé est dans votre main. La puissance est là. La promesse vous a été donnée. Le seul a prié et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Élie a dit, saisissez les prophètes de Baal. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kisson où il les égorgea. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. L'homme a amené le réveil. Quand nous voyons Élie, au niveau de fondation, on voit qu'il avait une obéissance complète et entière au Seigneur. On voit aussi la parole de Dieu dans sa bouche. L'entièreté de la parole de Dieu était la base de ses expériences et de ses exploits. Retournez à la parole de Dieu. Pas vos sentiments, pas les gens, et non Jézabel, et non ce que les gens disent. Et revenez à la parole de Dieu, vos expériences reviendront, les espoirs reviendront. Non seulement ça, la foi et la fidélité, sa foi était basée sur la parole de Dieu. Il ne pensait pas à qui je suis, et ce que je ne suis pas, ce que j'ai, ce que je n'ai pas. La parole de Dieu a formé la base de sa foi et de sa fidélité, de son caractère et de son conseil, La femme a dit que je n'ai rien. Je ne fais que préparer le dernier repas et puis je mourrai, moi et ma femme et mon enfant. Son conseil était selon la récession, selon la situation dans le pays. Son caractère, son conseil était selon la parole de Dieu. Sa commission et sa consécration au commencement. Et que le Seigneur a parlé, je vais là-bas, viens là, reviens ici, je reviendrai ici. Va à la veuve, va là-bas. Sa commission était selon la parole de Dieu. Sa consécration était selon la parole de Dieu. Sa décision et sa dévotion. Et il n'avait pas de décision à part celle de la parole de Dieu. Voici ce que le Seigneur a dit. Alors parce que le Seigneur a dit ce qu'il a dit, donc je vais aller selon la parole de Dieu. Et puis sa dévotion, totalement dévouée, totalement consacrée à obéir à la parole de Dieu. Sa sagesse et son ouvrage. Pour les gens, ils disent qu'ils utilisent la sagesse et ils abandonnent l'œuvre de Dieu. Ils disent que je dois être sage maintenant. Et ils sont sages selon le monde. Mais cela ne va pas travailler. Il faut revenir à la parole de Dieu. La parole de Dieu est la sagesse de Dieu. Alors vous devez agir selon la parole de Dieu. Votre ouvrage doit dépendre de l'œuvre de Dieu. Et dans le service et dans le sacrifice. Regardez son service et dit que j'ai fait tout ceci à ta parole. Alors, ce que Dieu nous dit aujourd'hui est que si vous allez aller au commencement, c'est-à-dire au ministère de la fondement, au ministère fondamental, comment on a fait, comment Pierre a commencé, comment Moïse a commencé, comment Pierre a commencé, et beaucoup d'eux, ils ont commencé comme l'apôtre Paul, ils ont continué. Alors ils n'ont pas cessé. Et il y avait de tant de découragement, mais ils sont avancés. Je prie que le feu de réveil vienne dans vos vies aujourd'hui au nom de Jésus-Christ.
examinez vos expériences dans la parole de Dieu. Est-ce que je suis sauvé, sanctifié, baptisé dans le Saint-Esprit? Et vos exploits selon la parole de Dieu, vous ne regardez pas, mon prédécesseur, il n'était pas comme ça, et les doyens, ils ne sont pas comme ça, mais vous êtes à vous-même, le Seigneur vous a appelé, l'onction est sur vous, vous ne regardez pas les prédécesseurs ou bien un doyen quelque part, que non, je vais baser mes exploits, mes expériences sur la parole de Dieu. Votre foi ne sera pas selon les autres. Oui, les autres ne prient pas comme ça. Les autres n'est-ce pas ceci. Les autres ne font pas ceci et cela. Votre foi sera basée sur la parole de Dieu. Votre fidélité sera basée sur la parole de Dieu. Votre caractère et votre conseil. Quand vous conseillez les gens, vous ne serez pas très sympathique. Elle dit que oui, je sais que la parole de Dieu a dit ça, mais dans ce temps où nous vivons, comment peut-on conseiller quelqu'un selon la parole de Dieu? Quand vous conseillez selon la parole de Dieu, la puissance du Seigneur va soutenir le conseil là. Mais si vous utilisez la sagesse charnelle, la sagesse satanique, la sagesse sensuelle et humaine, Dieu ne peut pas vous soutenir. Alors ramenez votre caractère et votre conseil sur la base de la parole de Dieu. Votre commission demeure la même aujourd'hui. Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Non seulement ça, votre consécration, maintenant, vous mettez tout sur l'autel. Vous voyez, comme ce qu'on fait d'origine, on dit, oui, j'ai ouvert ma bouche à l'Éternel, je ne vais plus le révoquer. Vous ramenez votre vœu. Je dis, vous ramenez votre vœu au Seigneur. Et vous ramenez votre consécration. Et quand vous faites cela, le Seigneur lui-même va vous soutenir au nom de Jésus-Christ. Votre décision est votre décision. Vous ne prenez pas votre décision sur la base de mon ami, qu'est-ce que tu penses? Mon frère, qu'en penses-tu? Ma soeur, qu'en penses-tu? Je veux faire cela, je veux faire ce pas, je veux tout mettre sur l'autel, je veux courir pour le Seigneur, je veux servir le Seigneur, je veux consacrer ma vie à l'évangélisation et gagner toutes ces communautés pour le Seigneur. Je veux rassembler les ouvriers, les former, nous allons sortir, nous allons toucher tout le monde. Joyeux le faire ou pas. Pourquoi tu le demandes? Si le Seigneur t'a parlé, si le Seigneur t'a donné la vision, si le Seigneur l'a déposé dans ton cœur, cette grande commission, et dit, c'est toi l'homme, c'est toi la femme de faire l'œuvre, la façon dont on l'a fait au départ, à la fondation, et en tant que ministre de fondation, est ainsi que vous le ferez. Vous n'allez pas demander une femme du monde, un homme du monde, la personne qui a la sagesse de la chair, la sagesse du monde, la sagesse du diable, la sagesse qui est sensuelle, la sagesse qui est humaine, la sagesse qui est égoïste. Vous mettez cela de côté et vous dites que vous allez agir selon la parole et la sagesse du Seigneur. Et votre service sera sacrificiel. Votre service sera sacrificiel. Et vous allez travailler avec la foi et la fidélité en tant que fondation. Deuxième point maintenant, voyons l'oubli des ministres épuisés. L'oubli des ministres ou épuisés. Voyez, quand on est épuisé, on oublie les expériences passées, comment le Seigneur nous répond par le feu. Comment on a couru pour le Seigneur, voyez, l'oubli amène l'épuisement aussi. L'oubli amène l'épuisement. 1 Roi 19, verset 2. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Et regardez ce verset 2. Il que se bat Jézabel qui a envoyé un messager et dit, moi je ferai de ta vie comme l'un de ces gens que tu as tué, l'un de ces faux prophètes. Et Élie maintenant était épuisé dans son esprit, il est temporellement fatigué. Là il pensait à Jézabel plus qu'il ne pense à Jéhovah. Si vous pensez à un homme, plus que vous ne pensez à Dieu, vous pensez
à une femme plus que vous ne pensez à Jéhovah, si vous commencez à penser à une créature plus que vous ne pensez au Créateur, et cela vous mettez de côté le calvaire, votre pensée quitte la puissance, la gloire de Dieu. Vous pensez à ce Jézabel, non seulement ça, il a oublié sa foi, il a oublié son feu. C'est l'homme de feu, il peut faire descendre le feu à tout moment. Vous voyez, lorsque le Seigneur l'a fait ramener encore au chapitre, premier chapitre, à deux rois, chapitre 1, les gens l'appellent homme, on l'appelle homme de Dieu, dit que si je suis homme de Dieu, que le feu descende et vous consume vous et les 50. Le feu était descendu. L'homme, si cet homme était un homme de foi, il a oublié sa foi, il a oublié son feu, non seulement ça, il a oublié sa position, il a oublié sa puissance. Le Seigneur a suscité cet homme, que le ciel le réponde, comme cela n'était pas le cas d'aucune autre personne en Israël. Mais il a tout oublié. Il a oublié sa parole. Il a oublié ses merveilles. Il a dit à Akab que oui, cette fois-ci, il n'y aura pas de pluie ni de rosée selon ma parole. Sinon, à ma parole. Il savait qu'il a reçu la parole du ciel, la parole puissante. Il a tout oublié. Toutes les merveilles que Dieu a faites au travers de lui. Comment il a prié tout simplement et le feu était descendu du ciel et toute la nation a dit l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu, et il a tout oublié. Il a oublié son souci pour le pays, que de revenir tout le peuple à Dieu. Il a oublié son courage lorsqu'il a pris les prophètes de Baal et les a exterminés tout seul. Il a oublié son souci, il a oublié son courage, il a oublié sa vision. Il a oublié sa valeur, la vision qu'il avait, que cette nation doit connaître le Seigneur. Cette nation doit se tourner vers le Seigneur. Ce pays doit servir le Seigneur. Il a oublié la valeur que le ciel a mise sur lui. Il a oublié son état et sa stature. Oui, la stature que l'homme avait avec le ciel, sa position spirituelle qu'il détenait avec le ciel. Il a tout oublié. Il a oublié sa fondation. Il a oublié son avenir. Il a oublié son futur. Son futur est le futur d'être enlevé. Il ne verra pas la mort. Il a tout oublié. Il a oublié sa fondation. Comment Dieu a commencé avec lui. Vous savez pourquoi on est épuisé. C'est parce que quand on oublie, l'oubli apporte l'épuisement, la fatigue dans notre vie. Pensez à votre vie. Lorsque vous êtes arrivé, vous avez le haut niveau de la foi. Vous dites que oui, je ne suis pas dérangé. Quel que soit le problème, je vais l'amener au Seigneur. Le Seigneur va ôter la montagne. Comment vous avez oublié cette foi-là? Le feu que vous aviez, la ferveur que vous aviez, la poussée que vous aviez, le zèle que vous aviez, vous êtes la même personne qui se levait tout seul. N'êtes-vous pas la seule personne, même avant de vous marier, en tant que célibataire, voyez que vous n'êtes pas marié, mais vous pouvez oser tout dans le service du Seigneur. Maintenant, dit qu'on va contribuer tout l'argent que tu as, tu prends tout. Sœur, et ta maison, et ton loyer à la fin du mois, tu que Dieu va pouvoir. Et c'est cela que Dieu pourvoira. Ceci maintenant, je vais tout donner au Seigneur. Tu as oublié ta fidélité. Et c'est lorsque on oublie notre foi du passé, notre fidélité du passé, c'est ainsi qu'on se plonge dans le désespoir et Jézabel nous menace que maintenant que je vais te traiter, je vais t'en nourrir. Et Jézabel ne pouvait rien faire. Même son mari Akab ne pouvait rien faire. Et Akab et Jézabel ensemble, oui, nous avons la parole du ciel. Nous avons la puissance du ciel. Nous avons le feu du ciel. Et quel que soit Akab et Jézabel se tenaient, quel que soit leur cas de se tenir devant nous, qui est Jézabel qui vous poursuivait? Quel est ce Jézabel-là qui vous pourchassait, qui essayait de vous empêcher que j'aurais fait ceci, mais regarde Jézabel là-bas. Jézabel est là dans le coin. Jézabel m'attend. Ce que je veux faire, je ne peux pas le faire. Secoue cela. Je dis, il faut secouer cela et confronter Jézabel. Lorsque tu te tiens
dans la force du Seigneur, dans la puissance du Seigneur, cette Jézabel va quitter le chemin. Notre Dieu est puissant, Jézabel ne l'est pas. Notre Dieu est le Tout-Puissant, Jézabel ne l'est pas. Notre Dieu est surnaturel, Jézabel ne l'est pas. Notre Dieu est éternel, immortel, Jézabel ne l'est pas. Notre Dieu est illimité, Jézabel ne l'est pas. Notre Dieu est invincible, Jézabel ne l'est pas. Notre Dieu est un feu dévorant. Je dis, notre Dieu est un feu dévorant, Jézabel ne l'est pas. Qui est Jézabel? Mais un faible ver. Qui est Jézabel? Une herbe qui se dessèche. Jézabel, une créature minime sur le point d'être consumée. Qui vous effraie? Qui vous fait fuir le pays? Qui vous fait fuir votre poste de devoir que Dieu vous a donné? Levez-vous, vous êtes plus que cela. Vous êtes plus fort que cela. Vous êtes plus élevé que ce niveau de commande de vous trembler. Vous n'êtes plus à ce niveau-là. Que le feu descende, que l'onction descende, que l'autorité descende et que vous serviez le Seigneur comme au jour d'autrefois au nom de Jésus-Christ. Voyons, Ésaïe 51, Ésaïe 51, verset 12. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel? Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel, de Jézabel qui va mourir, et du fils de l'homme pareil à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? Tout s'est évaporé. Ésaïe 57, verset 11. Ésaïe 57, verset 11. Et qui redoutais-tu? Qui craignais-tu pour être infidèle? Qui craignais-tu pour être infidèle? Pour fuir le poste de ton devoir? Pour être infidèle? Pour ne pas te souvenir, te soucier de moi? Est-ce que je ne garde pas le silence et depuis longtemps? C'est pourquoi tu ne me crains pas. Nous n'allons plus trembler. Jézabel ou pas, on avance. Je dis, nous avançons. Vous allez vaincre au nom de Jésus-Christ. Troisième point maintenant. La fructification d'un ministère focalisé. À partir de ce jour, vous allez vous focaliser. Rien ne vous craindra. Rien ne vous fera craindre. Rien ne vous intimidera. Rien ne vous fera trembler. 1er roi au chapitre 19. Dieu a un grand ministère qui vous attend. Une plus grande œuvre qui vous attend. 1er roi 19, verset 15. L'Éternel lui dit: va reprendre ton chemin par le désert jusqu'à Damas. L'œuvre va commencer aujourd'hui. Le ministère va commencer aujourd'hui. Jézabel est toujours là. Mais Dieu n'a pas mentionné Jézabel. Jézabel a donné sa menace. J'étais surpris. Jézabel n'a pas même cherché Élie. Ils ne vont pas te toucher. Ils ne vont pas te chercher. Ils se vantent seulement. Un petit vent viendra et l'arbre de Jézabel tombera au nom de Jésus-Christ. Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Oui, vous aurez l'autorité sur la nation. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Regarde ce qu'il aurait raté. Dieu merci, il ne s'est pas suicidé. Et puis faisait la prière négative: Dieu tue-moi, Dieu ne vous tuera pas.
et vous donnera une nouvelle commission. Vous aurez une nouvelle puissance, une nouvelle onction, une nouvelle autorité, un nouveau ministère au nom de Jésus-Christ. Et tu oindras Élisée, fille de Shaphat, d'Abel, Mérola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Razaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Il est parti de là, le feu est revenu, le zèle est revenu, l'engagement est revenu, l'obéissance est revenue. Vous allez rentrer à la maison aujourd'hui étant énergétisé. Vous allez rentrer à la maison étant investi de pouvoir. Toutes les craintes disparaissent aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Il est parti de là et il trouva Élisée, fille de Shaphat, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Il y a des gens qui auront votre manteau. Il y a des gens que vous allez partager la vision avec. Il y a des gens avec lesquels vous allez partager la vision et vous allez partager la puissance avec eux. Vous allez dire, venez, ils ne vont pas rejeter. Ils feront partie de votre équipe, de l'équipe gagnante. Vous allez évangéliser les communautés et les villes voisines au nom de Jésus-Christ. Élisée quittant ses bœufs courut après Élie. Quiconque courra après vous, ils seront quoi pour vous? Ils seront des partenaires de ministres, de ministères, de quoi associés dans le ministère. Et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Oui, vous ne serez, et ils deviendront tes disciples. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs, et il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie. Maintenant, il a un compagnon maintenant. Puis il se leva, suivit Élie. Maintenant, vous avez maintenant un compagnon. Puis il se leva, suivit Élie. Maintenant, vous avez quelqu'un maintenant qui versera l'eau sur votre main. Vous avez quelqu'un maintenant qui versera l'eau sur votre main. Puis il se leva, suivit Élie. Maintenant, vous avez quelqu'un maintenant qui va continuer l'œuvre après vous. Et puis, il se leva, suivit Élie et fut à son service. Venons à 2e roi, chapitre 1, verset 1. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie. Il en fut malade. Il fit partir ses messagers et leur dit, allez consulter Baal-Zébub, Dieu d'Écran, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit, à qui? Dites-le moi. À Élie, le Tishbite. Il y a toujours un message pour vous apporter. Il y a toujours une œuvre pour vous à faire. Un sacrifice, un service pour vous. Lève-toi et monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, Dieu d'Écran? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Est-ce que Élie s'est rétabli? Est-ce qu'il s'est rétabli? Est-ce que vous êtes rétabli? Vous serez rétabli au nom de Jésus-Christ. Où est Jézabel? Je dis, où est Jézabel? Jézabel n'est plus. Où sont vos persécuteurs? Où sont les gens qui vous menacent? Où sont les gens dont vous avez peur? Vous allez les piétiner au nom de Jésus-Christ. Verset 5. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia et il leur dit, pourquoi revenez-vous? Il lui répondit, un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, allez retourner vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui,
Ainsi parle l'Éternel, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, Dieu des clans? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Ma question pour vous est que, est-ce que vous pouvez être fidèle? Élie a donné le message, dites-lui, il va mourir. Et donc il retourne au roi. Et il dit, mais pourquoi vous êtes arrivé si tôt? Car oui, un homme nous a raconté, il nous a dit que tu vas mourir. Nous ne devons pas modifier ni la parole, ni le message de Dieu. Quoique Dieu, vous devez déclarer la parole. Verset 7. Acadia leur dit, quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Ils lui répondirent, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Acadia dit, c'est Élie le Tishbite. Il envoie vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie qui était assis sur le sommet de la montagne et lui dit, oh de Dieu, le roi a dit, descends. Élie répondit au chef de 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Élie maintenant n'a pas même, il n'a même pas tremblé. Ouais, voici un capitaine de 50 de la traité, de l'arrêter. Celui-ci n'est pas Jézabel, celui-ci c'est le roi qui a l'autorité. Mais Dieu merci, lorsque la puissance revient, peu importe le nom de votre persécuteur, vous allez vaincre au nom de Jésus-Christ. Vous serez plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Quand dit que homme de Dieu, le roi a descend, elle répond, Élie répondit au chef de cinquantaine, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et les 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma lui et ses 50. Acadia envoie de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, homme de Dieu, ainsi a dit le roi, à toi de descendre. Élie leur répondit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu de l'Éternel descendit du ciel et le consuma, lui et les 50 hommes. Où était la puissance lorsque Élie fuyait? Lorsque vous êtes découragé, la puissance pour guérir les âmes, pour gagner des âmes pour Christ, pour guérir les malades, sera dormante. La puissance pour faire descendre le feu et que les démons seront brûlés dans la vie des âmes, le feu sera là, mais tout sera dormant lorsque vous avez peur. Il n'y aura plus de crainte, il n'y aura plus de découragement, il n'y aura plus d'épuisement. Et verset 13 dit, Acadia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant, homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Lui, il est un ennemi raisonnable. Ceci a dit, Élie, je ne peux pas te toucher, je ne peux pas te dire que le roi a dit, je sais ce qui était arrivé aux autres, il croit te faire du mal, je ne peux pas te toucher, je ne peux pas te faire du mal, aie pitié de moi. Le roi ne l'a pas envoyé d'aller se plier, mais l'homme était raisonnable. Quand nos ennemis sont raisonnables, Dieu va les préserver. Quand les persécuteurs sont raisonnables, Dieu va les préserver. Et puis, ils vont même vous aider dans l'œuvre que Dieu vous a remis à faire. Voici, le feu est descendu du ciel et a consumé les deux premiers chefs de 50 et les 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. L'ange de l'Éternel dit à Élie, descend avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Il lui dit, ainsi parle l'Éternel. Le roi maintenant a oublié qu'il voudrait l'opprimer, même le tuer si possible. Maintenant,
lorsque votre voix plaît à l'Éternel, à votre voix sont agréables à l'Éternel, vos ennemis vont fléchir au nom de Jésus. Tout ce qu'ils voudraient faire au départ leur sera impossible au nom de Jésus-Christ. Il dit, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébub, Dieu des crans, comme s'il n'y avait en Israël point de Dieu dont on puisse consulter la parole, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Car tu mourras. Verset 17, Akazia mourut, selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie. Chapitre 2. Le temps est arrivé pour aller au ciel par l'enlèvement. Il ne devait pas mourir. Quelque chose de glorieux vous attend. Quelque chose d'extraordinaire vous attend. Ce n'est pas la façon dont vous pensez que vous irez. Vous allez retourner à la maison triomphant. Vous allez rentrer à la maison fidèlement. Vous allez rentrer avec le char du ciel vous amenant au ciel au nom de Jésus-Christ. Chapitre 2, verset 8. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Il y a encore un miracle pour vous de faire. Il y a encore un miracle pour vous de faire. Il y a quelque chose d'extraordinaire pour vous d'accomplir. Vous l'accomplirez au nom de Jésus-Christ. Verset 11. Comme ils continuèrent, je vois une vie là-bas, des choses vont s'accomplir dans votre vie. Je vois un ministre là-bas où les choses vont s'accomplir dans sa vie. Je vois quelque chose de nouveau viendra. Je vois quelque chose de nouveau venir sur votre vie. Et comme ils continuaient à marcher, en parlant, voici un char de feu. Un char de feu. Cet homme, un prophète de feu, il n'a pas à finir sa vie avec la tiédeur, avec le désespoir. Je ne peux pas, qu'est-ce que je peux faire? Avec le découragement. Il a fini avec la puissance, avec le feu, avec le char de feu qui l'amène au ciel. Vous allez finir triomphalement. Et tout le découragement du passé sera ôté au nom de Jésus-Christ. Comme il continuera à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie, dites-le-moi, monta au ciel dans un tourbillon. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Vous allez monter. Quelqu'un là-bas va monter. Il dit, vous allez monter. Tout ce qui vous a lié sera brisé. Tous les fardeaux du diable sur vous seront détruits. Le découragement est ôté. Tous les pleurs sont ôtés. L'apitoiement sur vous-même est ôté. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Citoyen du ciel, où êtes-vous? Candidat du ciel, où êtes-vous? Quand le temps viendra, vous allez rentrer glorieusement au ciel. Tenez-vous debout et priez le Seigneur. Élie a regagné tout, il a récupéré tout. Il a repris le feu, l'engagement, la consécration. Il a récupéré l'évidence d'aller au ciel. Comme vous récupérez la vision, la passion, comme vous allez récupérer le courage, la consécration, il a récupéré la fidélité, l'intrépidité, l'intrépidité. Vous allez récupérer, revenez au Seigneur et réparez l'autel. Renouvelez votre vœu et refocalisez votre ministère, disant, Seigneur, il n'y a plus de découragement, il n'y a plus d'épuisement. Je monte et le Seigneur va confirmer sa parole dans votre bouche.